Allez, un peu plus loin, jeune homme, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez, dame. Merci. Bonne journée. Manger 5 fruits et légumes par jour, beaucoup connaissent le dicton, mais très peu l'appliquent. Dans ce marché, pas comme les autres, on ne trouve que des fruits et des légumes. Les enfants remplissent eux-mêmes leur panier, payent leurs produits avec une monnaie fictive, le fruit à tout, et le service est impeccable. On transmet ce qu'on aime aux enfants, on leur apprend des choses, et moi j'aime bien tout ça. Donc avoir le contact avec les enfants, c'est bien, je trouve, et c'est cool, moi j'aime bien. 12 bénévoles du conseil municipal âgés de 10 à 18 ans tiennent les stands, une initiative qui séduit les enfants et aussi leurs parents. C'est important de les voir bien manger et de les faire participer. Moi j'ai deux garçons, j'ai la chance qu'ils adorent cuisiner. Donc l'été quand on peut, on va cueillir directement sur les cueillettes ou dans les potagers de la famille. Et quand on peut pas, parce que c'est plus trop la saison, et ben, ce genre d'événement c'est vraiment super de pouvoir les faire participer à la préparation. Et après on s'en va à la cuisine préparer tout ça. J'adore ça parce que c'est bon pour la santé et depuis petite, mes parents me disent que ça me fait grandir tant que je les mange. Le but de l'opération, lutter contre le surpoids et la malbouffe, mais aussi redonner l'envie de faire ses courses au marché. Un but pédagogique, de manière à ce que les enfants ne demandent pas des fraises à Noël, ne demandent pas des fruits qui n'existent pas, qui ne sont pas de saison. Et on fait tout pour apporter les enfants à les amener sur les marchés, pour qu'ils puissent avoir le plaisir de voir, de goûter, de se promener, et pour plus tard relancer un petit peu notre activité qui est quand même un petit peu en perte de vitesse. Ce projet permet aux habitants de retourner vers les commerces de proximité et favoriser les circuits courts. Manger plus sain tout en valorisant les métiers du cœur de ville, c'est possible.